Oh, je galère vraiment. Je crois que je vais faire appel au pro d'AgriCenter. Ça tombe bien, il recrute. Vous me suivez? Bonjour. Bonjour Géry, bienvenue chez AgriCenter. Merci. Donc moi c'est Julien, responsable technique chez AgriCenter. Merci Julien. Bah, écoute, j'ai entendu dire qu'AgriCenter recrutait en ce moment des techniciens. On en parle ensemble? Oui. Allons boire un café. Merci. Julien, merci beaucoup pour le café. Je t'en prie, Géry. Alors pour moi, ces moments de convivialité sont hyper importants, y compris dans une moissonneuse batteuse comme aujourd'hui. C'est assez original, c'est une première pour moi. Explique-moi ce que représente AgriCenter. Alors AgriCenter est une entreprise spécialisée dans la distribution et la réparation de matériel agricole, notamment sur trois marques qui sont Casillage, Amazon et Grimm. Et alors sur quel périmètre exactement? Alors aujourd'hui, AgriCenter travaille sur quatre départements, la Somme, l'Oise, le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Et vous êtes combien dans l'entreprise? Il y a 140 collaborateurs dans l'entreprise, répartis sur 12 agences différentes. Ça représente aujourd'hui environ 60 techniciens, 13 chefs d'atelier et 14 apprentis. Et pour un chiffre d'affaires de? Alors aujourd'hui, le chiffre d'affaires moyen annuel d'AgriCenter, c'est 40 millions d'euros. Et alors en ce qui concerne particulièrement le SAV aujourd'hui? Donc en ce qui concerne le SAV aujourd'hui, c'est 45 véhicules d'intervention pour réaliser en moyenne 12 500 interventions par an. Nous formons nos collaborateurs ateliers environ à 460 jours par an pour l'ensemble des collaborateurs. Ensuite, en ce qui concerne l'atelier, on mène un plan d'investissement qui est assez conséquent. L'environnement de travail est très important pour les collaborateurs. Et alors AgriCenter recrute beaucoup en ce moment des techniciens, mais sur quel profil exactement? Alors, de l'apprenti à la personne expérimentée, chaque collaborateur en fonction de ses compétences pourra bénéficier d'un plan de carrière au sein de notre entreprise. Enfin, en moyenne, chez nous, c'est 90% de l'effectif qui a commencé par la voie de l'apprentissage. C'est ton cas? C'est tout à fait, tout à fait. Et aujourd'hui, ton parcours? Donc moi, j'ai démarré en tant que technicien dans un atelier, apprenti technicien, à l'âge de 14 ans. Et aujourd'hui, à l'âge de 27 ans, j'encadre l'équipe technique AgriCenter. Alors moi, ce job de technicien m'intéresse, mais en quoi il consiste vraiment? Alors c'est un métier qui nécessite des compétences multiples telles que l'entretien, le diagnostic des machines, la préparation des machines neuves, la remise en main des clés aux clients. Enfin, l'adrénaline d'un technicien, ça va être d'aller mettre en route la machine au champ. D'accord. Pour savoir conseiller le client. Ce qui apporte généralement une confiance entre le client et le technicien. Et toi, pourquoi t'aimes ton job? Bah, tout d'abord parce que c'est un métier passionnant. Chaque jour est différent. Il n'y a pas de routine. L'échange avec les collaborateurs et les clients crée une complicité. Et alors si moi je veux rejoindre ton équipe, quelle qualité il me faut? Alors tout simplement déjà l'esprit d'équipe, la passion et la persévérance. Merci Julien. Merci Géry. Se former en mécanique, aujourd'hui chez AgriCenter, c'est 120 heures de formation par collaborateur, soit chez un constructeur ou au quotidien via notre AgriCenter School. On a toujours la banane au quotidien pour apporter le meilleur des services à nos clients essentiellement patatiers. Couteau suisse, la polyvalence est notre ADN. Les deux, du simple changement de filtre au dépannage du GPS. Julien, merci beaucoup pour la découverte de ton métier. Je t'en prie, Géry, ce fut un plaisir. Bon, moi, j'ai d'autres filiales du groupe Dubreuil à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil et l'envie de rejoindre les équipes d'AgriCenter. Postulez. Quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous.